Et salut à tous, c'est Algoliant. Après cette introduction sur le logo IE, cet énorme pied de notre héroïne Faith, donc héroïne du jeu Mirror's Edge, qui sera le nouveau jeu, pas nouveau comme vous pouvez le voir, il est 2009, mais dans le cadre d'un nouveau let's play, du coup, suite de du let's play Cuphead terminé très récemment. Pourquoi j'ai voulu faire ce jeu? Parce que d'une part j'aime beaucoup. Il n'est pas dans mon top 15, hein, confère le top 15 sur le site de Going Game d'Algoliant, n'hésitez pas à aller voir les autres. Mais si j'avais dû faire un top 20, je pense qu'il serait entre la 15e et 20e position, sans rigoler. J'aime beaucoup ce jeu pour son ambiance en fait, surtout, et son aspect graphique, parce que il y a beau être de 2009, franchement il est graphiquement incroyable, même s'il y a quelques petits trucs qu'on pourrait lui reprocher, comparé à ce qu'il voulait vendre à l'époque. Mais ça on verra tranquillement au cours du jeu. Donc voilà, on est parti pour Mirror's Edge, édité par EA et développé par DICE, notamment connu pour les Crysis, si je dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu en vue FPS, de parcours, c'est du platformer. Pas non plus d'Alien Retry, mais disons qu'on meurt, on peut mourir assez facilement si on n'a pas les contrôles rapidement en main. Donc on a le mode histoire ici, on a le mode parcours, donc c'est un peu le mode speedrun, avec les classements en ligne. J'y joue sur PC, hein. J'y joue sur PC avec une manette Xbox. Il faut savoir que j'ai terminé deux fois, je crois, ou trois, ce jeu en clavier souris. C'était, je sais pas quel délire m'a pris de le faire au clavier souris, quand j'y ai à l'époque, c'est pas non plus très vieux. Mais je l'ai fait au clavier souris, j'avais les contrôles en main, en vrai. Donc là, la manette, ça va être une toute nouvelle expérience. Et des bonus, parce qu'on récupère au cours de l'aventure des mallettes cachées, qui apportent des artworks, je crois. Bon, c'est toujours sympa. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Oui, on va écraser l'autre. Alors, j'ai pas le mode difficile, parce que c'est pas ma sauvegarde principale. Enfin, disons que j'ai changé de PC entre temps. Et il faut, pour avoir la difficulté difficile, il faut avoir terminé au moins une fois le jeu. Et je sais pas, le cloud de Steam ne compte pas la sauvegarde de Mirror's Edge, j'ai l'impression. Donc du coup, bon, je ne l'ai pas, donc on va faire le jeu en normal. Cinématique. Maintenant. En animation. Bon, il y a les sous-titres, alors je peux me permettre de parler un peu. VF très sympathique. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Ah. C'est pas très rose. Hein. Le scénar est pas très rose. Jeu Piggy 16, je crois. Ou 12. Moi, je pense plus 16. Moi, je sais pas, c'est pas grave. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil. Les messagers. Concurrence de la poste. Colissimo, tout ça. Let's play chill, hein. Après Cuphead, bon, c'est pas forcément un jeu facile, mais comme j'ai un peu plus l'habitude que Cuphead, franchement j'ai envie de me poser. Bon, on n'aura pas trop le temps parce qu'il va falloir éviter nos poursuivants, etc. Mais si je bloque sur le paysage, c'est normal. Parce que comme je crois que je l'ai dit en intro, j'adore l'ambiance. Graphiquement, je suis pas à fond. Je suis pas à fond graphiquement pour une raison technique. Alors, du coup, LB. Mais même sans être à fond, moi, je suis en moyen quoi. Même comme ça, franchement, on est quali. Wow, c'est quoi ça? Ouais, comment on a? Ça c'est quand même incroyable. Un FPS où on voit ses pieds quoi. Mine de rien, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Je suis désolé. Hop. Il y a un avion qui passe. Franchement, on est bien. Des petits placements de produits de marque qui n'existent pas. B pour maintenir... ok. Jeu assez court. Mais il en vaut la peine. Salut, Face.
Face, non pas fesse. Bande de fous. Bon, je crois qu'il y a un moment dans le tuto que... Donc je vais sûrement galérer. Et si je galère trop... Alors attends, par contre la roulade... Du coup c'est ça. Ouais. Si je galère trop, je quitte le tuto parce que... Il y a vraiment un passage où... C'est complicado, hein. Parce que le truc c'est qu'à chaque fois que vous ratez une séquence de l'intro, vous recommencez, enfin de l'intro du tuto, vous recommencez la séquence quoi. À chaque fois. C'est un peu relou. Il y a quelques petits trucs relous, hein. Je dis pas que le jeu est parfait. Mais on est en 2009 quoi, déjà graphiquement. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire, mis à part certains détails. Comme je disais, qu'on ferme les vitres. les bonnes vitres dans les trailers, etc. On vendait le truc comme avec énormément de réflexion, d'effets miroirs, etc. Il n'y a pas grand chose de tout ça hein, in-game. Bon, après, voilà. Moi, j'ai découvert le jeu en 2018, je crois. Ça fait un moment et j'en avais clairement rien à faire de pouvoir voir Face en mode miroir, même si oui c'est ce qui était vendu comme dit dans les trailers et sur une belle scène cinématique aussi d'ailleurs, on pourra le voir. Alors c'est ici que je fail de souvenir, c'est ici que je failais, ça veut rien dire failer, mais je me ratais souvent. Non, on va voir hein. Alors, LB, RB, LB. Voilà, échec. Tu fais exactement ce qu'il te dit. Mais te... J'allais dire quelque chose, non. Non, on est plus sûr que PED. On évite les mots grossiers, les grossièretés, hein. Punaise. Pourquoi ? Faut vraiment s'accrocher sur le bord ? Bon, je tente, pardon, encore deux fois, et puis après, on y va, voilà. Et là, je fais quoi? C'est bon? Toujours pas, ok. Bon, là, il faut que je cours sur le mur? Non, c'est pas ça. Si. Je cours sur le mur, je me retourne, je saute. Non, ok, c'est pas ça, Bon, voilà. Ok. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'elle a fait. Comment elle s'appelle elle déjà? Céleste. Putain, c'est beau, hein. Franchement. Yodololei. Tranquille. J'adore comment cette ville est faite pour le parcours. Genre vraiment, les gens, ils ont posé sur les toits des trucs. Des tyroliennes, enfin c'est plutôt des câbles électriques, j'ai l'impression. Mais vraiment, voilà, juste en dessous, il y a un... Et je me suis raté. Il y a des bâches pour adoucir les chutes, etc. Comme par hasard. C'est magnifique. Franchement, ils ont pensé à tout. On va éviter de se gourer. Hop. Oh non! Oh le fail! Je pensais que c'était la partie juste avant que j'allais plus galérer, mais là, on est parti pour bien galérer celle-là aussi. On va faire. Merde! Ouh! Easy peasy, hein, comme on dit. Et en difficile, en fait, vous, comme vous pouvez le voir, on voit les endroits, enfin les objets auxquels on peut servir, ou du moins les indices sur la suite d'exploration. On peut aller là-bas. Bon, je m'y tenterai pas. Et en difficile, pour l'anecdote, en difficile, il n'y a pas. Donc, vous avez intérêt à bien regarder l'environnement. Hop. Pour savoir où vous devez aller. Ou alors vous devez très bien connaître le jeu. Hop. Petite roulade.
Ok, très bien. Ok, let's go. Très je suis jamais allé à Tokyo, mais c'est très tokyoïde, je trouve. Faut aller où? Ok. Ah, très mégalopole en fait. Forcément Tokyo, mais. C'est pareil qu'il faut que j'aille? Non, pas du tout. Allez là-bas, c'est l'est. Oh là là. Non, c'est bon, je suis là, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez, baston. Merc. Non. Allez, let's go. Oui, bien sûr, elle. Mais enfin! Ah, c'est pour la bagarre. Putain, la déma. Alors. Ah non. Ça, on va s'en servir pas mal, le petit. Ouais, combiner mouvement et attaque pour être efficace. Ouais, cambre bien, ouais. Montre que t'es un peu sexy, même si bon, pas trop mon style. Hop là! Impassible. Pan, pan, pan! Pour désarmer de front lorsque la lame est rouge. Ah merde, je me suis raté. Ah, non, c'est bon. Get le bon moment. Ouf, tout juste. T'as un petit clic dans la tête. Oh, elle a pas l'air contente, hein. Alors ça, je m'en sers pas beaucoup de souvenirs du X. Ça, ce qui est cool, c'est que. Bon, c'est cool si on veut. C'est que. Il y a des mécaniques, mais on est libre de s'en servir ou pas. Il y en a très peu. Mais voilà, on a une certaine liberté. Que voulez-vous faire? Bah, rien. Allez, on va jouer. On va faire au moins peut-être le premier chapitre. Premier épisode. Electronic Arts Presents. Donc les épisodes seront peut-être un peu plus longs que ceux de Cuphead. Parce que les chapitres sont. Ouais, ça dépend. Ça dépend si on va vite ou pas. Parce qu'en normal, en vrai, je sais pas ce qui est différent avec le facile. Les ennemis peut-être font plus de dégâts. Par contre, ouais, les OST, c'est pareil, c'est incroyable. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, faut avoir une grue chez soi déjà. I'm still alive. Still alive qu'on n'a pas entendu. Non, c'est à la fin qu'on entend, je crois, spoiler. Si vous ne connaissez pas Still Alive. Allez, checker ça sur YouTube. Un des OST du jeu. Le journal, le Daily City, très bien. Ça me fait toujours quelque chose de jouer à ce jeu, franchement. Hop, roulade! Ouh. Non, Izzy. T'as rien. Ah, j'avais vu, ouais, un petit moment. Le podcast de. Pseudoless et Monsieur Plouf, je crois. Sur le jeu, ils l'ont quand même pas mal. Pas dire taillé, ils l'ont pas non plus démoli. Mais ils ont fait comprendre que y a certains points du jeu qui sont pas super fans en fait. Alors il y avait certains points où que j'étais d'accord, hein, mais d'autres. Alors je sais plus quoi exactement. Hein, mais. Ouais, j'étais un peu. Leur réaction. Par contre, ouais. Ah ouais. D'accord. Les cartons qui flottent un petit peu. Y a certains points où j'étais d'accord pendant leur podcast, d'autres, bon, pas forcément. Pas vraiment, quoi. Mais bon. Oh. Alors, par contre, la manette, c'est compliqué pour l'instant. Parce que le LB pour sauter. Ah, c'est chaud.
Avec un peu d'entraînement, ça ira. Merde, c'était le tuyau. Je l'ai raté. Petit craquement d'os là. On va essayer de s'entraîner un peu. On va alors. Hop. Oui, bon, monte, allez. Bon, pas se tromper. Still alive. Ok, let's go. Oh non. Non, j'avais absolument pas le tuyau dans les mains. C'est pas grave. Hop, allez. Bon. Est-ce qu'il faut prendre son élan ou pas? Ça n'a rien à voir, c'est juste moi qui suis nul ou le jeu qui me dit merde. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, j'étais à côté, hein, bien sûr, mais... Bon, on va emmagasiner les fails, je crois. Et non pas les face. Oh, j'essaie de me détendre. Saleté de tuyau, là. Je suis dessus, là! Ok. Je voulais dire que du bien de ce jeu. Mais je me souviens pas que le passage du premier tuyau... deuxième avec le tuto. C'était extrêmement énervant. Merci. Fallait le viser. Ça me paraît bizarre. C'est pas grave. C'est fait. X. Je t'en donne un hélicoptère. Alors ouais, ça veut dire qu'il y a une mallette dans le coin. Un petit bonus. Bon. 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 Est-ce que tu veux monter? Merci. J'ai du mal avec... Ah, elle est là. Les sacs sont dissimulés dans des cachettes ou abandonnés par des messagers en fuite. Un symbole messager vous avertit lorsqu'une cachette est proche. Avec des petits mots. Leave, mark, please. Sorry. Ah, il y a des numéros là. 54 West Harland. C'est des. Oui, des adresses. Normal. Et maintenant, faut que je fasse quoi? Ah! Ah! Ah, première petite poursuite, c'est vrai. Roulade. Non, c'est pas ça. Non ! Je me tire d'ici. Je suis poursuivi, et on me tire dessus. Ils sont pas très gentils, les messieurs, hein. Il y en a une, là, non ? Une valise ? Si, si. Oh! Let's go! Ah! Oh! Mais c'est pas mal ça! Bah écoutez, franchement, petit bug. On va se laisser mourir, je crois. Mais c'était assez cocasse. En fait, je voulais sauter sur le. Oh merde! Ah ouais, le checkpoint, c'est juste au moment où on se prend des dégâts. Je voulais sauter sur l'étagère, me retourner et choper la valise. Et à la place, j'ai eu un bug. C'était pas mal, hein. Je vais rien dire parce que vraiment. J'ai pas tant de souvenirs que ça de bug ou quoi, mais là. Bon, je vais pas la prendre la valise. C'est pas grave. Mais là, c'était quand même assez violent, hein. C'est rigolo. C'est un bug rigolo, mais. Un peu frustrant dès le départ de montrer des bugs. Ah! Alors, je précise que j'ai beau l'avoir terminé en difficile, comparé à Titan Quest, il n'y a pas de No Death Challenge. Hein. Même chaque fois que j'y joue, le zéro death n'est jamais atteint. Hein. Désolé la valise, mais bon, pour un artwork. On enchaîne fail sur fail, hein. C'est pas rigolo, hein. Alors, attends. Ah!
Ah oui, LB c'est pour se retourner. Oh merde. Ça franchement c'est la merde. LT. Mais les contrôles, franchement la manette c'est pas non plus la panacée. Hein. Je veux dire, X, si X ça sert pour le ralenti et tout, mais non, je veux dire, dans des jeux où on peut s'accroupir et tout, X c'est pour s'accroupir, A c'est pour sauter, enfin bref, peut-être que c'est pour une question de, je sais pas, hop, c'est bon, on a le truc, question de, il n'y a aucune question à se poser en fait, hein. Ouais, faut sauter ici. Parcours. Ok. Tiens. Oh, bon d'accord. Merde. Mais et où son arme? Ah. On va attendre de prendre nos esprits. On n'a pas de barre de vie. C'est à la call off. Putain. J'ai... Oui. Tu as vu Face littéralement tuer un homme. Hé, hey, Céleste, tu nous... Oh, c'est horrible. D'ailleurs, Céleste, tu me vois, là? Horrible. Ça passe. Je fais attention aux flics, ouais. Oh, les flics au cul, ouais. Trop 80s. Ah non, Millennials. 80s, n'importe quoi. Celle. Merde, Sangoku. Celle. C'est le comble, hein. Celle, fesse. C'est dégueulasse. Et on va arriver à la fameuse scène. Voilà, j'ai cru que j'allais me fail. Voilà, où ce sont les seules vitres. C'est le bâtiment possédant les seules vitres. À reflet de tout le jeu. J'espère que vous avez profité du spectacle. Tous les autres bâtiments du jeu ont des vitres teintées. Voilà. C'est tout petit, on est tout petit là-bas. À la base. Telle l'armée, nous avons une base. Petit plan en drone. Ping, ping, ping. La tanière de Merck, 4h35. Je dors à cette heure-ci, hein. Robert Poupe. Fesse, sel, poupe. Franchement. C'est pas un jeu de merde, hein, pourtant. Salut. Dégueulasse. Bon, l'animation elle est cool, mais il y a des petits, je sais pas, il y a des. L'animation de la tête et tout, on dirait. Je sais pas. On dirait un dessin animé de Gulli de 2000. Ah, c'était Ref Obscur que je vais dire aussi. 2010 justement. Après les dessins ils ont leur style. Franchement le chara design pour les cinématiques a son truc. Et on va s'arrêter là. À West Arlington à 5h20 du matin j'imagine. Hein. Oh le port. Le port. Petite roulade stylée. Et donc c'est sur ce plan. Ce petit plan sympathique, on a presque envie de faire un screen avec ce bel avion qu'on aimerait prendre, hein. Franchement. Et sur ces voitures, que nous allons nous quitter pour ce premier épisode de Mirror's Edge. J'espère qu'il vous aura plu. Je verrai hein, si je sors une vidéo par semaine ou deux, parce qu'en vrai le jeu est assez court, donc puis il y a encore plein d'autres jeux à vous
à vous montrer. Et j'ai pas envie que ça s'éternise non plus. Pas comme Cuphead ou Titan Quest par exemple. Même si bon, Cuphead, 16 épisodes. Bon. Sûrement, il y en aura beaucoup moins sur Mirror's Edge, mais. On verra bien. On verra bien. Hein. De toute façon, pour savoir quand est-ce que sortent les épisodes, il faut aller sur le Facebook de Growing Game, que je vous invite à suivre. Sur. Bah déjà, aussi à vous abonner, hein, YouTube, hein, chaîne de Growing Game, aller voir. Les autres vidéos, surtout de Lightstar, donc Facebook, aussi à suivre Growing Game sur Insta, Twitter, Twitch, rejoindre le Discord, pardon, Growing Game, le TikTok, je sais pas si je l'ai dit, etc., etc. De toute façon, tout est en description. L'avion qui a du mal à disparaître de l'écran, il est encore là-bas. Allez, moi je vous fais des bisous et à la prochaine pour l'épisode 2 de Mirror's Edge. Salut, salut!